Comme c'est une maman aussi, maman bébé, c'est une maman qui peut être même ma grand-mère. Donc, je n'ai pas envie de la faire attendre pour rien. Alors, coucou, maman bébé, désolé, je ne vais pas te faire attendre pour rien parce que tu es maman. Et par respect, je préfère te faire passer. Donc, je peux mettre le haut-parleur et te faire parler aux auditeurs avant qu'on tranche l'histoire, c'est à la fin. D'accord. Merci, maman. Bon, tu peux dire bonjour aux auditeurs on va commencer à parler. Mais tu sais, hein, mon petit, je Non, veux te salut dire d'abord une les chose. auditeurs, maman. Hein. Moi, je ne suis pas trop dans ces trucs-là des réseaux. Mon truc, c'est que je voudrais seulement que vous enlevez le nom d'Elandi dedans. Faites autre chose. Il n'a pas. Ça, le problème d'Elandi, c'est pour les grands-parents et les arrière-grands-parents que vous parlez là. Et on ne connaît pas son nom, le nom de son père, c'est Onatana. Donc, mais lui-même, il s'appelle Antoine de Padoue. Tu Donc peux son père l'insulter comme s'appelle tu le veux, vrai tu père peux de Dagui, c'est insulter Antoine son sang. Tangana. Hein? Donc le vrai nom du père de Dagui, c'est Owona Tangana. Le vrai nom de son père, c'est Onatana. Donc, mais d'où il sort avec le nom de mon père, qui est son arrière-grand-père? Ah, c'est ce qui est écrit, maman. Maman, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, maman. Non, non, mais il diffame le nom de son arrière-grand-père. Donc C'est pas mon père c'est qui l'a ton mis au frère qui monde. a indiqué son grand-père. Et Landy est son grand-père, mais il n'a pas son nom. Ce n'est pas lui qui l'a mis au monde. On Mais il est le attend. petit-fils de mon grand frère, qui est mon petit-fils aussi. Donc, mais il n'a pas le droit de porter ce nom. Il doit porter le nom de son père qui est Owonatana. Ce n'est pas Elandi. Mais parce que ce nom, tu sais, mon fils, pourquoi je te parle de ce nom, hein? Parle, maman. Ce nom, le nom est trop connu, ce nom-là. Pourquoi? Parce que mon père fut préfet au temps d'Aïdjo. Et donc, il y a des gens qui connaissent, qui sont en France là-bas. C'est eux qui m'envoient les vidéos ici. Maman. Donc, ça les énerve. De telle sorte que, comme il sait que, ben, puisqu'il te dit que son père est policier, non, c'est celui qu'on lui a donné le nom, qui est mon grand frère aussi, c'est lui qui est encore vivant. Les Il cœurs pour porte la le maman, nom les de cœurs pour la Dupadou. maman. Oui, C'est maman. le nom-là qu'on lui a donné, Antoine Dupadou. Non, c'est lui qui est à la retraite maintenant. Antoine de Il Padoue, en dont est il pour s'appelle parler Owona. tout dans Son ses vrai mots nom avec du Cameroun, c'est lui. Il est Owona d'accord Tangana. avec moi. Hein? Vous avez dit qu'il y a une maison avec la croix. Mais maman, moi j'ai Mais payé, c'est c'est la vrai, j'ai maison de tout. celui-là, alors, mon grand frère là, qui a la croix. La maison de son père même est devant et derrière la tombe de son grand-père. Dans la tombe que Ah. j'ai là, c'est la maison de ton frère, alors que son grand-père qui est dans la tombe. Oui. Mais tout ce que vous parlez là, Mélène, JP, moi, Mélène, chez mes parents. Mais oui, il n'a rien à voir là. Non, il a avoir sur le petit-fils, maman. Le petit-fils de la famille, non? Mais c'est pour ça, parce qu'on ne pouvait pas le laisser. Si le père l'a abandonné, si son père l'a abandonné, mais on ne pouvait pas le laisser dehors. C'est plutôt sa grand-mère maternelle qui l'a élevé. Là. Donc, mais, et tout, c'est que, ben, il n'a rien, rien du tout. Il ne faut même pas dire, parce que ben, moi, j'étais vu montrer que tu es en plein construction. Mais il n'a même pas une paire de chaussures là-bas. Pour vous dire. Il n'a même pas une paire de chaussures là-bas, même pour que sa maman puisse manger. Je vous parle maintenant. Tu as mis tes réseaux là-bas. Moi, je parle, je dis la vérité. Même pour que sa maman puisse manger, c'est ma soeur, ma grande soeur qui est à Zurich, qui envoie l'argent à sa maman pour manger. Tout ce qu'il a, seulement la grande gueule et son cul. C'est tout. On n'a jamais eu de tapette dans notre famille. On n'a jamais eu de tapette dans notre famille. Donc, mais,
j'espère que lui-même aussi l'entend. Parce que je lui ai dit, si j'entends le nom de l'Andy quelque part, je vais parler. C'est un père inconnu. C'est un enfant refoulé, refusé. Hein? On n'a jamais eu ça, ce genre de personne dans notre famille. On n'en a jamais eu. Je parle à haute intelligence, en intelligible voix, là où je parle là. Et il vient introduire le nom, mon père fut préfet. C'était pas un petit, autant d'idiots, tout le monde le connaissait. Et c'est pour ça qu'on est publié au Cameroun. Tu appelles seulement le nom de Landy, même ici. Mais il y a beaucoup qui m'appelaient ici pour me demander qui c'est qui est ici. Je leur ai donné le nom, mais vous le connaissez Jean, non, c'est le petit-fils de Jean, qui est mon grand frère. Mon grand frère s'appelait Jean. Ils sont allés se reposer. Qu'on les laisse en paix, tranquille. Ah oui, jusqu'à présent, je pleure mon frère encore et mon père. Que de venir et publier leur nom pour les tapettes. Non. Et déjà, vous avez dit qu'il m'a insulté ici. Et j'ai appelé la police. Non, ce n'était pas vrai. Quand il partait ici, il est venu ici chez moi. Il était comme un ange. Comme un ange. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il pouvait faire ce genre de choses. Ce qui m'a aussi fait au début, quand le Et c'est moi-même qui suis allé la déposer à Basel pour traverser la frontière. Parce qu'il devait aller à Mulhouse trouver un blanc là-bas. Il m'a dit que c'était son ami qui se connaissent depuis le Maroc. Et c'est là où je l'ai fait traverser, il est parti. Et il m'a même envoyé les photos et il me téléphonait. Mais je ne savais pas qu'il était tapette. Il m'a caché. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Mais tu as vu ta robe, tu as vu la jupe, tu as vu qu'il porte la jupe et le soutien comme Nous, moi. Nous, on apprend même les choses avec vous. Parce que j'ai entendu tout ça là avec Coco ou qui? Coco Lago, Capi. Ben, c'est là où j'étais sidéré. La bouche ouverte. Je ne savais même pas. Même pour fumer la cigarette ici, moi je fume les cigares. Et il demandait une cigare peut-être une semaine. Il ne fume même pas. Même pour boire même une bière. Mais quand j'ai appris qu'il fume encore le banga, j'étais dépassé. J'ai dit quoi? Mais non. Je me suis dit ben, peut-être on est en train de me faire autre chose. Mais c'est quand on m'envoyait les vidéos que j'entendais tout ça là. Mais j'ai même d'abord mes voisins qui m'ont posé la question. Il était qui pour moi? Bon, est-ce que c'est mon fils ou bien? J'ai dit non, c'est mon petit-fils. Mais ils ont appelé Nivakin. Mais j'ai dit quoi? Qu'est-ce que c'est Nivakin? C'est là où ils m'ont expliqué. Moi, je croyais que les enfants disaient qu'ils voulaient la Nivakin. Mais c'est eux qui m'ont expliqué. J'ai dit quoi? Ah non, ils nous font rigoler dans les réseaux. J'ai dit, ah bon, ah, mais je ne comprenais rien du tout. Moi, je ne suis pas trop dans les réseaux, mais sinon, je suis inscrit dans tous les réseaux, hein. Mais je ne dis rien. Je suis à Instagram, je suis à Facebook, je suis partout, pour que si il y a un de mes cousines ou cousins qui me cherche, il me trouve là. C'est pour ça que je regarde de temps en temps comme ça, c'est tout. Mais c'est là où je l'ai vu. À la télévision, il a dit ben, parce que j'ai cherché Nivakin pour voir. Il était en train d'insulter une femme à Zurich. C'est le mois de cette année, le mois de mai, que je lui ai parlé de ça. Parce que ben, je lui ai expliqué comment tu peux insulter une femme à ce point-là. Mais vraiment, je suis vraiment désolé. Hein. On n'insulte pas. Même si tu vois mon petit. Je vais te dire une chose. Même sa maman, je crois que sa maman n'est même pas au courant de tout ce qui se passe là. Zé Daniel. Personne au Cameroun n'est au courant de tout ce qui se passe. Parce qu'il a un oncle. Son grand-oncle qui... Attends, maman, attends, veux. Toi là, Enna Colette Tafrou, qui a enregistré, il a passé qui est sur WhatsApp en train de parler. Vous avez menti sur Facebook. Hein? On dit que ça a été enregistré. C'est pas WhatsApp que tu as été parlé ici là. Ha! C'est sur WhatsApp là. Ce n'est pas toi qui es sur WhatsApp là. Ouais, je suis dans WhatsApp. Tu as été m'appelé sur WhatsApp, non? Je vous dis une chose. Même si l'oncle, son oncle,
qui suit sa maman est au courant de ce qui se passe, je crois que cet enfant ne va plus aller au Cameroun. Mm-hmm. Je te le dis. Même celui qui porte le nom là, il, si son grand-père la connaît, ce qui se passe là, mais il ne va plus mettre pied au Cameroun. Mais même moi-même, je n'étais pas au courant là. Mais oh, c'est parce qu'on m'envoie les vidéos. Ouais. Même celle de Zurich n'est même pas au courant de tout ça. C'est quand j'ai commencé à voir, je lui ai expliqué. Est-ce que tu sais ce qui se passe là? Elle-même, elle a dit, mais comment? Nous, ça fait plus de 40 ans qu'on est en Suisse. Je suis venu ici étant petite, jeune. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai 60 ans. Hein? Mm-hmm. Mais on n'a jamais entendu parler de nos noms. On me connaît seulement en bien. Parce que j'ai fait 7 ans à Paris. Mm-hmm. Tu veux seulement entendre qu'on m'appelle maman, 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 maman partout. Mm-hmm. Donc, mais pas de toutes ces choses-là, non. Non. Parce que je peux arriver à Paris. Les gens qui me connaissent, les anciennes personnes qui me connaissent, ils m'appellent tous maman. Mm-hmm. Maman. Mais c'est pas comme ça. Mais il y a des gens, j'ai connu des gens ici qui étaient pédés. Mais on ne le savait pas. On ne le savait même pas. Et on mangeait ensemble. Hein. On ne savait pas qu'ils étaient comme ça. Il faut dire gay. Il faut dire gay parce que ça peut. C'est pas bon de dire les mots. Quoi. Il y en a qui nous suivent. Comme moi aussi, on ne sait jamais. Donc, dis sois un gay. Faut pas dire pédé. Pédé, c'est négatif. Mais de telle sorte que ben, on mangeait ensemble. On était ensemble, on était frères et sœurs. Mais on ne savait pas qui est. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? Mais que j'entends tout ça là, même qu'il était pédé, même je n'étais pas au courant. Je ne savais même pas. J'apprends tout ça là avec vous. Mm-hmm. Avec vous, quand on m'envoie les vidéos, je me dis, hein? Donc c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'imagine quand il était ici et mm-hmm. comment? Mais ce n'était pas ces deux personnes. Mm-hmm. Ces deux personnes. Mais et en plus, moi-même, je l'ai vu. J'ai cherché, j'ai vu qu'il fumait le truc. Il se cache, il parle au cou même. Il parle de ton cou. Lui-même prend la. Il sniffe comme il n'est pas permis. Il sniffe la cocaïne au cou. Il fume l'horloge, je vous jure. Demandez-lui, il va vous dire, ça s'appelle la Tina. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est deux personnes. Deux personnes. Ah. Heureusement, quand je l'amenais à Basel, quand elle partait, il partait à. Qu'il est rentré maintenant en France là-bas. Mais mm-hmm. j'avais ma grande sœur qui était à Zurich et était ici pour mm-hmm. la dire au revoir. Mais elle ne pouvait. Si, quand je lui raconte tout ça, elle ne me croit pas. Non, elle ne me croit non plus. Mm-hmm. Mais c'est pas possible. Même ça, je vous dis, même pour que sa maman puisse manger, c'est ma grande sœur de Zurich qui envoie l'argent. Non loin même que l'année dernière, le décembre, ma grande sœur a promis à sa maman de l'envoyer de l'argent. Et il m'a appelé ici pour me dire, ah oui, mais grand-mère, maman Ndiofa, quand elle a déjà bu la bière, elle propose l'argent à Daniel. Daniel, parce qu'il n'appelle maman. Pas sa maman, maman. Il l'appelle Daniel. Daniel, oui. Ouais. Donc, alors, elle n'a pas envoyé. Et maintenant, Daniel me dérange au téléphone. Moi-même, je me suis dit, mais il parlait qu'il a fêté son anniversaire à Zurich. Et on l'a volé 9 000. Mais pourquoi seulement sa grand-mère qui doit envoyer l'argent à sa maman? Mais sa maman n'a même rien. Et il n'envoie rien du tout. Rien du tout. Oh, ouais, c'est pas possible, hein. Ah non. Mais c'est pour ça, moi, je vous dis, faites autre chose. Vous avez eu la chance. Moi, je suis né au temps où on écrivait avec les langues, l'encre. On écrivait avec les stylos m'ont trouvé, j'étais déjà né. Les minitels. Mais vous avez la facilité avec vos trucs des ordinateurs, les machins, trucs. Laissez le nom de Landy. Ça n'a rien à voir avec lui. Il a insulté sa maman, insulte aussi sa maman. Mais nous, on n'a rien à voir. Mais sa maman est rentrée au Cameroun ou elle est toujours en Côte d'Ivoire? Hein? Sa mère est toujours en Côte d'Ivoire ou elle est rentrée au Cameroun?
Non, non, elle est en Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle va rentrer en Côte d'Ivoire, au Cameroun comment à pied? Mais vous-même, vous avez dit que c'est un menteur. Le type a un vaccin. Mais ce n'est même plus la mythomanie. Je ne sais plus comment on peut appeler ça. Mais non. C'est plus la mythomanie. C'est autre chose encore. Un psychopathe, carrément. Non, non, mais la pauvre, elle est là, elle ne sait même pas ce qui se passe. Mais vous avez dit tout à l'heure que ben, sa maman ne s'entend pas avec moi. Peut-être c'est à cause de ce nom de Landy que j'ai posé à sa maman la question. Mais comment se fait-il que ben, j'ignore? Moi, je lui ai donné le nom quand il est né. Moi, je lui ai donné le nom Manbeti. C'est comme ça, moi, je l'appelle Manbeti. Je lui ai posé la question, mais pourquoi Manbeti a le nom de Landy? Ça veut dire quoi? Hein? Personne n'est au courant. Maman, tu sais quoi, je te Non. promets, maman, tu sais, comme il y a une affaire de tombe et tout, je suis désolé, hein, moi je n'ai pas, ce n'est pas mon concept de faire. Je pense que tu as un peu regardé mon mur Facebook. En fait, je voulais montrer à ton Manbeti, parce que tu m'as dit de bon, je vais laisser l'année vers ton frère, à ton Manbeti que on peut tous avoir une voix qui porte. J'aime les 18 têtes Tu ma sais, cousine hein, ici. mon fils, je vais te dire une chose. Hein. Faites ce que vous voulez de Non, ça. je vais, Moi, je ne donc, je vais connais le pas ça. Je pardonner, ne tu comprends, connais pas. maman? Moi, j'écoute les mamans. Moi, j'écoute les mamans. Hein? Quand tu m'as appelé, t'es écouté. Parce que c'était quelqu'un de rancunier ou haineux, je vous jure que c'est parti balata. Parce que qui veut dire le grand-père de Landy, veut dire que, ou bien Landy, ou bien ton Manbeti, grand-père ou pas grand-père, c'est la famille, non? Donc, je vais laisser tomber. Et je vais dire à Nivakine que on n'a aucun problème. Je lave mes mains sur ton problème. Maman, bébé, je ne vais plus jamais parler de votre Hein? histoire. Mais qu'il n'insulte plus jamais mes Ah parents. bah oui, Un, vraiment, il c'est n'insulte vraiment, plus jamais c'est les parents vraiment des gens. dommage qu'il arrive à insulter des femmes. Vraiment, c'est quand même dommage. Moi-même, je n'accepterai pas ça. Mais Parce que s'il je insulte lui ai encore parlé, une maman que mais il c'est ne une m'a amie pas à moi, écouté, il a aïe, continué. moi je balance. Hein. Donc il Mais n'insulte plus les sinon, mamans des gens. ce n'est pas. Vous connaissez déjà son nom. Eh ben, c'est tout. Moi, je voulais que ben, on abolisse le nom d'Elandi. Non, Il ne c'est pas s'appelle pas possible Elandi. ça. C'est quelle éducation qu'il a reçue, qu'il insulte les... Moi, il m'insulte Mais qui depuis. c'est qui va lui donner l'éducation? L'éducation, c'est qui devait lui donner l'éducation? C'est le père et la maman, non? Mais ce n'est pas nous. Écoute, maman, bébé, on dit que ce n'est pas Hein? toi. L'autre vient de dire que ce n'est pas la maman de Nivak, la grand-mère de Nivak. Oh, ah, la honte. C'est pas maman, bébé, ici, menteur. C'est nous qui allons l'éduquer. C'est le père et la mère. Qui c'est qui t'a éduqué? C'est ton papa. N'est-ce pas? C'est ton Moi, c'est papa et ma pas ta maman qui maman, non? m'éduquait avec mes tantes, ma Eh bien grand-mère. On alors, m'a appris à mais nous, respecter les les aînés. grands-parents, on regarde. On regarde et on donne les digestifs. Mais si ça ne marche pas avec la maman ou le père même l'a abandonné. Alors, mais d'où va venir l'éducation? Si Peut-être qu'il demain est il venu t'insulte, en toi, sa Côte d'Ivoire, quelque grand-mère, moi, chose. c'est pas mon problème. S'il insulte sa famille, ça ne me regarde pas. Mais s'il insulte encore mes parents, ou il insulte encore notre maman sur Facebook, aïe! À la guerre comme à la guerre. Parce que de la façon dont tu là, je te comprends aujourd'hui, tu protèges ton nom de famille et ton frère. Ça, je peux accepter. Mais il faut te mettre dans notre place aussi. Que Elan, bon, Mais que. oui, mais je me mets, c'est ce que j'ai dit. Mais le problème est que, mais insulter là, comme vous voulez, insulter aussi sa maman, mais pas nous, nous Mais sommes les comment tu dis pas grands-parents. vous? Est-ce que votre fils, quand votre petit-fils, quand il insulte, il donne le cadeau, il donne le bon. Mais oui, quand moi je vous dis que ben moi je l'ai abandonné, Mettez je ne les veux cœurs plus pour maman rien bébé. entendre de lui. C'est ça. Moi, C'est j'ai Nivakin qui est coupé le. tous les C'est liens. Nivakin qui est Joanandolo. Joanandolo, tu n'as pas honte, toi, Nivakin. Tu es parti voler la photo de ma copine Shivani Aboumo. Tu n'as pas honte, voleur. C'est toi qui es derrière ta grand-mère qui parle. Tu veux le pas. Il veut l'insulter, je m'en fous. Moi, j'ai fait sa maman. J'ai tout. Il n'a qu'à prononcer comme ma famille un jour. Pas Seigneur, c'est vrai. Oui, mais sinon, mais le nom, il en dit là, ça ne marche pas. Ça n'a vraiment rien à voir. Parce que ben, s'il insultait aussi tes grands-parents,
c'est autre chose. Mais sinon, nous, on n'a rien à voir avec Mais vos pourtant, trucs. maman, maman, je te jure que t'es promis, je vais laisser. Parce que j'ai une éducation. Pour l'amour que j'ai Ah pour mes oui. parents, pour l'amour que j'ai pour ma grand-mère qui est dans la tombe depuis 2018, je vais épargner ton frère qui est son grand-père et tout le monde et tout le monde, tout ce que j'ai Ah là. ben Mais voilà. je ne supprime rien, tout est dans la clé USB. Si ton petit-fils Mais insulte encore mes parents. de toutes les façons, mon petit, je vais te dire une chose. Quand comme je t'ai entendu dire que les gens de Mélène, ils vont Toi, tu viens me fermer parler la maison et cristal ainsi de de combo, suite. je m'en fous. J'écoute, je fais ce qu'il veut, qu'elle laisse ma mère causer la douleur de quelqu'un. Je m'en fous. Donc, même si sa grand-mère n'est pas là, je peux aussi décider demain que je m'en fous qu'elle publie. Allez faire vous les faux prophètes de Nivakine là, allez faire ça loin. Je laisse. Mais il tente encore. Moi, je vous dis seulement, il faut te calmer, tu as des choses à faire. Maman, je te jure, je Tu vais as laisser. beaucoup de choses à faire. Maman, je Et on te a jure perdu que je le vais passé de laisser. temps à faire ces Maman, je cochonneries-là. te jure que je vais laisser. Elandi est mon frère. Je l'appelle Elandi. Tu m'as dit de respecter. Ouais, compris. Je te rappelle tout de suite. Pardon. Je finis pas avec la grand-mère. Comme tu m'appelles là sur le téléphone, je te rappelle tout de suite. Compris. Attendez, maman Pépé m'appelle. Pardon, maman Pépé, s'il te plaît. Je ne vais pas couper la grand-mère ni Nivakine. Ce n'est pas poli. Pardon. Attends, maman, ne quitte pas. Bon, maman, moi, je te promets que je vais laisser. Mais Ouais, si je vais mais moi je laisser, t'entends même quand tu parles. je Quand suis toi quand tu je parles non, même, là je je ne t'écoute parle pas. bien en disant Elandi parce que Mais moi je t'apprécie parce que ce que tu es en train de lui parler, s'il était intelligent, il pouvait quand même prendre quelques notes. Parce que ça fait à peu près comme si c'était des conseils. Toi, tu veux montrer que ben, tu fais la concurrence avec. Non! Tu ne peux pas faire la concurrence avec quelqu'un qui n'a rien. Mais s'il peut t'entendre, il peut prendre ça comme un bon conseil. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu comprends ça, mon fils? Maman, oui. Ah, Donc, mais quand moi, je dis quand tu Elandi, parlais, désolé, je dis Elandi de sens tu que. montres ce que tu es en train de faire. Tu montres ce que tu es en train de faire au Cameroun. Mais s'il voit, s'il est intelligent, il peut se dire, oh, moi aussi, je pourrais faire ça. Tu vois? C'est comme ça. Ah oui, mais ils peuvent te prendre ça en bien, mais pas en mal. C'est ça. Maman, je vais parler au compresseur. Si tu veux, tu vas appeler après. Tu peux suivre le direct. Mais je te promets devant tous les internautes que je ne vais plus vous provoquer. Quand je dis Elandi, c'est parce qu'il respecte son grand-père et ton frère en disant qu'il faut qu'il prenne l'exemple chez moi. Moi-même, je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis le petit-fils de quelqu'un. Donc, je ne vais plus prononcer. C'est mon frère, non? Je vais le jeter. Là, c'est celui de mes camps. Je suis le camp moi-même, non? Je vais le jeter où? Je vais le jeter. Mais sinon, il faut Non! laisser les morts, ils sont partis, Je laisse les ils morts, sont en je train de laisse les se morts, je te reposer. jure, mais s'ils prononcent. Tu sais que moi je suis balata, moi je n'ai pas d'enfant. Moi je n'ai pas d'enfant, donc s'il tente encore, je glisse sur lui. Mais il n'y a pas Il besoin faut de contre seulement vous ici. évitez-vous de vous voir. Mais il faut éviter et Est-ce tout qu'on se ça là. voit? Ah, mais qu'il reste de son côté, toi aussi tu restes de ton Oh, c'est ça côté, qu'il vous fait ne vous depuis parlez longtemps. plus. Ah ben voilà, c'est mieux que de. Tu as d'autres choses à faire, comme j'ai vu, tu as beaucoup à faire. Hein? Ah ben oui, je sais quand même quand quelqu'un construit, parce que ben, moi aussi j'ai eu le même problème. Hein? Il faut se concentrer dans ça. Ah oui. Ok, mon petit. Ok, j'ai pas ma pépite, je t'appelle à la fin pour conclure. Merci maman. Merci beaucoup parce que moi tu es une maman Mon sage, tu es une pauvre, je te grand-mère qui laisse, est hein. belle. Ok. Je te laisse. Ciao, 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 ciao. ciao. Bon, j'ai pas ma pépite qui voulait appeler. Après, si Flo va appeler, pas appeler. Après, si quand va intervenir, 0033 6 25 88 10 17. 0033 6 25 88 10 17. Donc, pas maman pépite. Après, vous appelez sur WhatsApp. Moi, je vais te laisser lundi. Je t'appelle lundi parce que je respecte ton grand-père. Je voulais te montrer que moi aussi je peux avoir une parole plus que toi. C'est pas pour votre truc que vous faites les vidéos, vous avez des langues, vous avez deux vues, vous croyez que vous êtes des stars. Nous tous sommes des stars. Oui, compris. Oui, vous voyez, je mets un peu le haut par là, J'aime s'il le vous haut pour plaît. aller, pas aller à tes internautes. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir je sais pas, N'est pas là, toi. la grand-mère Maman, je bébé. n'arrive même pas à prononcer son nom, le nom du gars. Bon, ce que moi j'ai envie de te donner comme conseil, je sais que toi tu écoutes beaucoup les conseils.
Voilà une maman, une grand-mère qui est venue parler. Tu vois un peu. Comme on Non. dit souvent, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur, on n'accouche pas ses habitudes. Pour l'amour de ta maman déjà qui est au pays, laisse d'abord nous. Nous d'abord, nous sommes d'abord tes mères aussi. Parce que une comme moi, si j'accouchais tôt, je pourrais avoir un enfant comme toi. Donc, pour l'amour de cette maman, de cette grand-mère qui n'a pas demandé à ce que tu as vu quand elle parlait là que son frère, je ne prononce plus le nom là. Elle a dit que son frère, c'est le nom de son frère, que pardon, quand tu veux faire les promesses avec l'autre là, ne prononce plus le nom de son frère. Bon, maintenant, les activeurs viennent dire que ce n'est pas sa grand-mère, alors que tout le monde sait très bien que c'est sa grand-mère. On s'en fout. Pour l'amour que tu as d'abord pour ta mère à toi, j'ai entendu ta maman te donner des bénédictions. Pour l'amour que tu as pour tes parents, pour l'amour que tu as pour la femme, parce qu'il faut respecter la femme. La femme, elle est sacrée. La femme est la mère de l'humanité. C'est-à-dire, quand tu insultes une femme, c'est que tu insultes ta mère. C'est que tu insultes ta grand-mère. Tu as compris? Comme tu as promis à la maman que tu ne vas plus, laisse-toi là, laisse-le tomber. Laisse-le. Laisse-le, Waris. Laisse, il parle sa malchance. Waris, fais tes directs de danse, tu prépares, on mange, tu m'invites, tu viens manger. On danse, on rit. Mais Qui oui. derrière le... Qui Moi, derrière je ça te là? jure que, Ne va pas compris, prendre ta moi, malchance franchement, là-bas. compris, je suis dedans. Mais je demande Oui. seulement un mois, Niba, qu'il n'insulte plus nos mamans. Il va toujours insulter. Parce que si demain se C'est-à-dire, lève sur il y ma a des maman, gens. comme mes tantes, et les trucs va dire, Regarde. aïe, Regarde. Il va toujours insulter. il n'est plus ma famille, moi, il n'est Mais plus sa regarde. famille. Même la femme qui t'a gardé 9 mois dans le ventre, t'a dit quoi? Laisse ça, non. C'est ça qu'on dit, une maman qui a éduqué son enfant. Tu as mal, oui. Moi-même, il m'a insulté. Il m'a pas traité de quoi? On dit qu'il m'a. Moi, je n'ai pas tout suivi. Il m'a insulté parce qu'il a insulté mes entrailles. Alors qu'il a une mère. Moi, je suis en France. Moi, je suis en français. On me demande d'aller travailler. Je n'entre même pas dans ça. Mais laisse. Laisse. Tu as compris? Laisse. C'est vrai que quand on insulte nos parents, là, te voici qui pourrait imaginer. Qui pourrait imaginer que sa grand-mère allait venir parler dans ton direct? Qui pourrait imaginer ça? Qui pourrait imaginer que tu peux même déterrer les morts? C'est ça qu'on appelle alors le clash. Ce n'est pas qu'on venait souvent parler. Bon, 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 bon. Voilà le clash. Les bilans. Les bilans, compris plus, tu avais ton sida, compresseur avec tes fesses pourries. Waris, c'est ces quatre Ça, lettres tout qui le... voient les Voilà rentrer ça. au bureau. Adolé, là, ça, quand je m'en foutais qu'elle m'insultait. Mais il Voilà tombe sur ma ça. maman, ma princesse. Oh, je suis l'enfant de quelqu'un aussi. Mais je ne Voilà. supprime pas, je ne jette pas la clé USB là. J'ai même mis ça dans d'autres comptes. Même de mon Il faut... ex-même. Mon fils, pardon, il faut Je ne veux laisser. pas publier, Laisse. compris. Je te jure, Parce que supplie, mes chers. ça s'est sali toute une famille. À cause d'une seule personne, on se retrouve à te salir toute une famille. Voilà la maman Chloé qui Nakam, utilise tu ce n'as pas nom-là. honte, espèce d'hypocrite, je vais même te bloquer, même il est où? Chloé Nakam, comment ça cause si tu es quelqu'un? Je vais te casser le cou tout de suite. Quand on insulte mes parents, toi tu ne dis rien. Il a C'est comment toujours dit? comme ça. On insulte nos parents. Quand on vient riposter, c'est que nous sommes méchants. Tu vois? C'est Alors je toujours vais comme bloquer ça Chloé Nakam, attends, je qu'entre bloque. nous, nous Attends, sommes. je bloque Chloé Nakam. Moi je vais le bloquer parce que. Attends, je le bloque. Maman Pépé, attends, je bloque Chloé Nakam parce que moi, les gens comme les Chloé Nakam, là, moi, chez moi. Pardon. Il faut le laisser, Waris. Il faut le laisser. Franchement, Je il ne faut laisse laisser pas mon Chloé père. Nakam, ouais. Je vais te bloquer après le direct. Oui, parle, maman, parle, les messages Non, me. laisse à Chloé Nakam. C'est parce qu'il ne connaît pas le problème, peut-être. C'est pour ça. Il faut laisser. Il faut laisser. Il est là, il vient de chez moi, il me dit, Asigo Angumba. Il part partout. Il voit lui-même Chloé Nakam. Chloé Nakam, toi-même, il t'envoie ça. J'espère que ce que les gens vivent subissent là. J'espère que ce qu'on subit là derrière, toi, tu as subi ça. Il vient chez moi, hein. Le conseil que j'avais te donner Non, ce moi, pour soir, c'est Elan, j'ai que. laissé. J'ai dit, Elan, il passe accessoire. C'est pour le Ok, bail de son ok. grand-père. Non, laisse-le, Je laisse-le. Il faut laisse. le laisser. Parce que Je vais tu ça sais, c'est un peu montrer. la mer. Il y a les gens qui viennent avec. Ils ont les mauvaises ondes. Ils ont... Tu vois quelqu'un, bah, sa grand-mère qui te dit qu'elle n'était pas au courant de beaucoup de choses. Tu vois? Sa grand-mère n'était pas au courant de beaucoup de choses. Elle est maintenant au courant. Non, Donc. moi, tu sais, maman Pépé, moi, je te jure, je promets devant le monde au visant, devant tout le monde, que moi, je vais plus Il prononcer. faut pas jurer, Wari. Il faut pas Non, jurer je parce que jure dans ce le sont des sens, quand il me parle, il sentiments. n'a pas prononcé ma famille encore. Ah, d'accord. Tu vois, non? Moi, pour dire vrai, je l'ai dit, les vite, vous avez tous sur la toile. Il a même menti Oui, comment exact. moi, je l'ai parlé, je l'ai caché sur Snap ou bien que William. On m'appelle, j'ai même eu le faux hier que j'ai mis en contact avec William.
William a dit là-bas que c'est faux. Non, il faut laisser. Il faut donc laisser. Je laisse. Laisse, vraiment laisse. Il faut laisser. Laisse, laisse-le. Laisse-le qui part avec. Je laisse. Sa malchance. Et je jure que je laisse. Je voulais lui montrer une correction pour lui montrer que moi là, je suis intelligent. Non, ta correction elle est même vraiment à l'extrême. C'est bien, tranquille. Laisse comme ça, mon père. Laisse comme ça. Je tu vois, on fait nous les directs. Tu danses, tu bois, tu fais comme tu veux. Ouha. Non, moi je fais ma maman, ma part de. J'ai même confondu le quelqu'un, le coq. Je voulais faire le quelqu'un, mais c'est le coq, maman. J'ai ça. Non, c'est vrai, ma pépé. Va ça, non. Donc finalement, quand elle goûte, c'est le coq. Donc maintenant, j'ai fait ça en fou, moi. J'ai fait le choix. Est-ce que je me tente? Je ne vais plus. Ok, okay, j'appelle Flo. J'appelle Flo. Flo m'envoie les audios hier. Je vais appeler Flo si elle n'est pas occupée. Parce qu'elle m'a appelé hier. Moi, elle m'envoie les audios hier, Flo. Flo n'était pas d'accord. Et tout le monde voit que tu me provoques. Flo m'envoie les audios hier. J'ai envoyé les audios à Flo. Elle m'a dit qu'on aime te voir quand tu bois ton vin de 1,50€. Tu me provoques, je vais te laisser que Onesa. Bon, maintenant je te laisse. J'appelle Flo pour voir si elle ne dort pas la vieille chouette-ci. Comment elle-même m'appelle son vieille chouette. Parce qu'elle lui dit que moi j'ai. Moi je suis plus dedans. Oh. Si elle n'est pas là, je laisse même envoyer les audios hier. Je ne sais pas si elle vous faire écouter, ça va envoyer sa composition si elle veut. Quand elle peut m'insulter comme ça. Ah. Ouais, même la vieille chouette de maman a faux chou aussi. Voici ma faux. Après, il va appeler Lolo parce que Lolo même a dit de laisser. Ma faute, je sais pas si elle est en ligne. Je crois qu'elle est aux États-Unis aussi. Non, elle n'a même pas la connexion. Ça va, ça m'appelle. Elle n'a pas la connexion. Oh, ma faute, je n'ai pas la connexion là-bas. Par contre, autant, tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu es en train de dire que chez moi. Je vous ai interdit. Vous êtes comme vous aimez le aide-moi à détester. Voilà que votre fils, même que vous supportez, fais le désastre. Fais le désastre. Vous ne parlez pas. J'ai même vu que Nathalie Baba m'a appelé. Fais le désastre. Moi, il va appeler toutes mes mamans là pour leur dire qu'elle laisse tomber. Vous n'avez pas. Vous voyez bien ça. Arrêtez le haine, me dit c'est pour ça, vous avez les teams. Regardez le désastre. Oui, bonjour. La reine. Attends, elle va enlever le haut-parleur. Reine Mabio, je peux mettre le haut-parleur. Est-ce que tu as suivi mon direct? Ok, je vais te laisser parler. Oui, ma parle. Comment tu vas, mon fils? J'ai manqué ton appel. Oui, je vais bien. Je t'appelais parce que, comme je m'avais même dit de me calmer, tout, comme beaucoup de gens. Mm-hmm. Donc, je voulais montrer aussi à mon frère Nibakin, parce que moi, c'est Waris, mon nom de star, que moi-même aussi, je peux aussi taper fort. C'est pas parce que j'ai mes deux. C'est pas parce que j'ai mes deux. Vu qu'elle me mange ma nourriture, que je ne peux pas avoir le répondant. Donc. Exactement. Donc, je te laisse parler, maman. Je suis d'accord avec ta sortie de A à Z. Pas parce que Nivakin m'a insulté, mais c'est parce que c'est un peu abusé. Tu comprends? Il y a la limite qu'on ne dépasse pas dans la vie. Nivakin insulte beaucoup. Ah, elle est dans l'avion, d'accord. Surtout le dessous de la ceinture. Je ne sais pas ce qu'il a contre les femmes. C'est une femme qui a mis Nivakin au monde. Mais il ne se rend pas compte que venir même sur terre, c'est grâce à la femme. La femme, c'est woman. La femme, c'est celle qui porte l'homme. Et toi, Waris, par ta distinction, parce que tu t'es assez distingué, il t'a insulté et attaqué longtemps, nous avons vécu ça. Tu as esquivé longtemps, nous avons vécu ça. Et en plus, comme si ça ne suffit pas, tu respectes et valorises ta maman. S'il va être sur Facebook pour insulter les gens, qu'il nous prouve où il a mis sa maman. S'il respecte et valorise sa maman et insulte les autres, on peut encore dire que les autres lui ont cherché des problèmes. Mais quand on observe, on se rend compte que personne n'a provoqué cet enfant. Il a un problème de difficulté de problème avec sa propre vie. Il a un problème de difficulté de problème avec sa propre situation. Qui gère ça? Ça ne nous regarde pas et ça ne nous regardera jamais. T'as sorti, mon fils, je ne suis même pas un peu contre. C'est-à-dire que tu vis de ta pensée autant que tu veux. Parce que ce qui est sûr, on ne peut pas passer toute la vie à insulter ses semblables et à rester impuni. C'est le moment qu'il doit pouffer tous les cahiers qu'il a cotisés et Dieu seul sait le nombre de cotisations qu'il a faites. Si c'était moi seul qu'il allait insulter, on allait dire haineuse parce que tu as un problème avec Ngoï Satan. Non, c'est toutes les femmes. Ne l'appelle pas, voilà, n'appelle pas Flore. Moi, je n'aime pas quand vous appelez vos noms là. Moi, chez moi là, non. Dis-moi que Flore. J'ai rangé. La femme, j'ai rangé.
Oui, je range. D'accord, chérie. D'accord, oui, d'accord. Excuse-moi, c'est mon chéri qui me parlait. Je dis que je vais l'appeler Flore. Je vais appeler Flore, Flore, pour aujourd'hui, dans ton mur. Mais moi, tu connais là où je l'appelle, j'ai pas quelqu'un. Bref. Donc, mon fils, il l'a insulté. Perpétue Maléba, je pense qu'il l'a appelé Perpétue Maléba parce que tu as le respect pour elle deux. Il a insulté Perpétue Maléba, qui est la copine de Flore. S'il était même là pour œuvrer pour Flore, comme moi, il m'insultait au nom de Flore, il pouvait ne pas insulter Perpétue, qui, même s'il reproche quelque chose, il a une façon d'entrer sur les femmes. C'est ça qui me fatigue. Moi, je suis bien d'accord et je vais saluer la tante ou la grand-mère. Je sais c'est pas sa grand-mère, maman, bébé. Si donc la maman de sa maman. Non, la soeur de son grand-père qui est mort, qui est à la tombe devant là. Voilà. Je vais la saluer et lui dire que vraiment, on accouche là. Enfin, on n'accouche pas son cœur. Qu'elle prenne son mal en patience, qu'elle supporte, qu'elle digère, parce que vraiment, elle doit être vraiment dépassée et outrée. Maintenant, nous avons eu le vrai nom de naissance. Comme il aime foutre la bouche dans les noms des gens, nous allons rester que sur le nom de naissance. Là, juste comme on va même plus l'appeler 22 ans, on va l'appeler avec tout son nom de naissance que la tante, la grande tante nous a donné. C'est pour dire que quoi, chaque chose a son temps dans la vie. Quand vous vivez, vous respirez, vous foutez la merde dans la vie des gens, sachez qu'un jour arrive où votre chien meurt, où vous êtes dans votre faim, et c'est la faim. De 22 grammes. Il va parler. Je l'ai vu faire un direct avant-hier que j'ai coupé, j'ai mis. Il te disait, je vais te taper, je vais te... Waris, nous sommes témoins. C'est lui qui t'a cherché. Et tu m'as expliqué que Tata Lolo t'avait demandé, t'avais même grondé que, ouais, soutiens, c'est ta personne et tout. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu as dit, ok, c'est pas grave, je tolère, je soutiens. Mais, qu'à cela ne tienne, ça a toujours été... Oui, merci mon père, merci chérie. Ça a toujours été quelque chose que tu as tenu et maintenu. Donc mon fils, moi je t'appelle mon fils parce que les 32, les 35, les 37, tout ça là. Si moi j'accouche tôt, je n'ai pas avoir un enfant de cet âge-là. Donc tu es comme mon fils. Je suis avec toi aujourd'hui, demain et après-demain. Pas parce que Nivakin m'a insulté, moi, parce que ça fait des années, ils sont sur moi depuis 4 ans. Ça glisse, ça ne me fait plus rien. Mais parce qu'il exagère. Il est temps qu'il arrête et qu'il se concentre sur son mariage à 10 pagnes. Si ce n'était pas toi, on n'allait pas savoir que lui aussi convoite le mariage des gens qui se marient au pagne et essaye d'acheter le pagne. Mais même le store de 20 pagnes, il a dépassé. Non, moi, je ne veux pas acheter le pagne, là, vu que je n'ai pas son mariage. Si je vais au mariage de Nivakin, si Nivakin me demande pardon. Que mon frère, j'étais offensé. Je suis désolé. Je vais prendre le pagne là d'Aubervilliers, non? C'est moi qui envoie les gens à Aubervilliers. Merci mon fils. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est comme ça qu'il était monté sur Leonardo ici. Et Leonardo est sorti sur lui. Prop. Et après, il a encore venu demander pardon. Il a encore vu dans son salon. Et on attend. Peut-être encore bloqué Claude la caméra que chez moi. Je suis la tête de ma mère. Donc mon fils, tu es un respectueux. Tu es quelqu'un vraiment là. Avec ta sortie et ta façon de faire, on a compris que tu as à cœur tes semblables. Tu as même à cœur la vie de l'univers. Que tu as même pitié de lui. Regarde le nombre de gens que tu as convaincus pour qu'ils viennent même au mariage et ils ont refusé. Donc c'est pour te dire que chaque chose a son temps. Et quand Dieu dit c'est assez, c'est vraiment assez. Et le tout sinon, amour, le Njangi est bon à moi. Juste non, tu sais comment ils ont fait les problèmes. On m'appelle à Paris que mamie pas là-bas. Je connais fait les problèmes. Quand tu m'attaques là, tu sais pas que moi je. Je suis resté calme. Bah, de ce côté, ma mère qui m'a fait plus que merde. Donc, c'est pas la maman de qui? De la tante de qui? Merde! Je suis resté tranquille. J'envoie l'argent comme ça là. Il va te bouffer. Tout il va. Donne-moi un peu son nom que la tante a dit qu'il est né avec. Parce qu'elle a fait là que vous. Attends, non, on a. Moi, ça, j'avais. Tu savais, ma mère a dit ça depuis qu'attends, non, on a. Mais dans ses papiers, d'ici là, c'est un tôt le lundi, Antoine Junior. Parce qu'il va aussi faire comme si le petit-fils d'un prophète. Non, non. Au Cameroun, il est né. Moi, je m'en fous, c'est pas le clash. Puis il a donné mon nom. Mm-hmm. Et au Cameroun, il est né à Tarnowona. Antoine. Enfant n'est pas... Maintenant, non, je sais encore l'insulte encore, maman. Maintenant, en France, bon, moi, je parle de la France, parce que l'Europe, c'est pareil, c'est Schengen partout. En France, ça s'appelle Ntolo. Et lundi, Antoine Junior. Voilà. Il a pris le nom au Carrefour, comme ça, c'est même pas son nom. Mais Nivakin n'a fait. Nivakin pas le combat des gens, mais Nivakin n'a pas fait le combat, non, maman. Bon, bref, je suis même plus là pour parler ça, maman. Pardon, je vais te laisser pour appeler Lolo parce que faut que je dise à tous mes mamans là que je vais. Lolo, tu as bien fait, je suis d'accord avec toi. Si tu t'arrêtes même ici, c'est que tu as bien livré. C'est propre. Merci. Voilà, donc, voilà, je vais appeler Lolo pour aller lui dire. Bon, voilà. Nathalie Babalé, je t'ai dit au revoir. Merci beaucoup pour vos conseils. J'ai maman Pépé intervenu.
Je dors maintenant, je vais maintenant appeler. Parce que si j'ai appelé Mafo, mais Mafo, on m'a dit qu'elle est dans l'avion. Donc, ma Mafo, va m'appeler demain, comme d'habitude, on se parle derrière WhatsApp. Donc, je vais maintenant appeler maintenant, comment elle appelle Lolo Fodja, parce qu'elle m'a beaucoup, pas plus tard que hier, Lolo m'a parlé. Lolo m'a parlé hier, Kouakris. J'ai tout le monde démenti, j'étais obligé de mettre Willem dans les conférences pour dire que est-ce que c'est vrai, on dit que c'est faux. Je n'ai jamais. Donc j'appelle ma Lolo Chou. Mettez les cœurs pour Lolo Chou. Claude, à moi, je te jure, dès qu'elle finit mon direct, elle te bloque. Attends, elle te bloque maintenant parce que tu gesticules trop là, mon direct, Claude Akam. Un hypocrite comme ça, Claude Akam. Il est même où même? Je tape ton nom directement, elle te bloque même tout de suite même. Claude Akam. Voilà quelqu'un qui il voit qu'on attaque son frère Ngumba d'après lui. Et vas-y, Claude Akam, vous voyez, non? Elle était bloquée. Moi, tes choses-là, tu as l'air de faire comme les gens qui sont neutres. Oh, Waris! Pardon, Nivakin, arrête d'insulter Waris! Tu le pouvais depuis, il te laisse. Nivakin, arrête d'insulter mais de Waris! Tu ne laisses pas. Je vais te bloquer et puis tu vas un peu te reposer 2 jours. Je te repose, je vais te débloquer dimanche. Tes choses que tu fais là, allez, bloquer. Claude Akam, regarde. Tu es à bloquer. Parce que. Il faut arrêter soit le massacre. C'est bon. Je vais te débloquer dimanche. Donc j'appelle Lolo Fodja, qui m'a beaucoup conseillé. Parce que vous voyez que les mamans là, même si elles font les guerres, toutes sont derrière moi. Que Waris. T'es bloqué, Claude. Moi, ça va faire notre faux profil. Je vais te débloquer dimanche. Alors, Lolo, il n'appelle pas son numéro personnel même. J'ai dit que je suis obligé de les appeler parce que la guerre est finie. Oh. La guerre est finie. Oh. Mais ta copine est dans l'avion, non? On t'a dit non. Je suis obligé de dire à tout le monde que je laisse tomber. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui aime. Je sais pas si ma Yamsu elle me dirait non. Elle est même où la Yamsu? Peut-être qu'elle n'est pas là. Où est cousine pour papa Fodja? Hey! Claude Akam, tu as de faux profils. Claude Akam, ouais, il a revu avoir de faux profils. Claude Akam, Mayam, c'est où? Peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'elle cuisine. Mayam, sœur. Allô? Je suis là, je tenais, moi je suis en direct là. Parce que la grand-mère Nivakin a intervenu, je ne sais pas si tu as vu, mais moi j'étais à vous remercier. Et je voulais t'appeler aussi comme j'appelais tout le monde pour dire que vraiment j'écoutais vos conseils et comme la grand-mère, qui est comme ma grand-mère, maman bébé, a intervenu, je vais laisser tomber. Donc je te laisse quand même saluer tes lolomani aussi. Tu veux les saluer ou pas? Est-ce que je peux te laisser parler à tes auditeurs? C'est bien comme tu as pris la résolution de laisser tout tomber. Vous êtes frère, c'est moi qui vous avais mis en contact. Et tu sais que la situation là me dérangeait beaucoup. Tu vois, ça me dérangeait. Tu as mis le parrain, non? Oui, c'est bon, j'ai La lu. situation me dérangeait. Tu étais embarrassé de vous voir pour discuter comme ça les réseaux sociaux parce que c'est que c'est moi qui t'avais parlé de lui, c'est moi qui avais tout fait pour que vous soyez ensemble. Et puis après, vous avez pris votre petit chemin, vous avez pris votre amitié. Comme j'ai dit à Nivaki, notre jour, ça ne sert à rien. Vous êtes déjà une famille, hein. Tu sais, quand tu as déjà partagé un même toit avec une personne, même ne serait-ce qu'une nuit, c'est que cette personne est entrée dans ton intimité. Et puis voilà. Donc, c'est bien comme tu as décidé, hein, de laisser tomber. J'espère que lui aussi va faire pareil parce que ça ne sert à rien d'animer la galerie avec des faux trucs comme ça. Chacun de vous, vous avez quelque chose qui fait rire. Lui, moi, j'aime bien son côté humour parce que lui, même quand il clash, ça me fait rire. Il a ce côté humour là. Toi aussi, tu as ton côté avec tes nyampopi, ta cuisine et autres. Voilà, moi ça m'arrange, je suis soulagée, je suis contente, je te fais des gros gros bisous et merci, merci d'avoir pensé à moi. Et à toi Nivakin, je t'aime très fort, je vous aime tous les deux. Voilà, vous êtes mes petits, vous êtes mes potes. Mais moi je te dis encore ma Yamseur, comme c'est mon Yamseur lui aussi, lui c'est mon Yamseur, toi tu es ma Yamseur. S'il parle encore de ma famille, Lolo, je baisse. Là, parce qu'il faut dire la vérité. Quand tu décides de dire que tu laisses Non, le non, non, projet. j'ai parlé français, Lolo. J'ai dit, je laisse tomber. Mais s'il parle encore de ma famille,
Oui, ça veut dire que tu as laissé avec condition, alors ça. Mais bien sûr qu'avec condition, vu qu'il a insulté ma famille, maman. Toi-même, tu as confirmé que toi-même, tu m'as dit hier que tu avais vu qu'il ne m'a jamais insulté. Je ne l'ai jamais insulté. Il m'insulte depuis, je l'ai. C'est pas le Congo, ça, Wari. C'est pas comme si je t'avais pas. C'est pas sur le Congo, ça, c'est j'ai peur de Nibakine. Moi, je dis la vérité, Lolo. Je lui pose. Non, non, non. Parce que Lolo, dans la vie, tu ne provoques pas ton adversaire, tu ne provoques pas. Quand il me provoque, soit moi, je laisse. Il allait toucher ma maman. Et mes tantes, je suis non, là. Non, il m'a dit que ça commençait sur Snapchat. Hier, mais hier, William t'a dit en conférence, c'était faux, non? Ouais, ouais. Alors, est-ce que je mens? Est-ce que je mens, Lolo? On va pas revenir là-dessus. Non, je laisse, non. C'était pour dire que, pour lui faire comprendre que, avec la, je voulais lui faire comprendre que, on peut tous mettre les caméras. Moi, j'ai mes deux vues quand je cuisine. Je mange avec vous tous, on dit que, oh, on cuisine.